Lambert, qui ça? Ou pour la drogue? Et ce blanc qui allait bonjour matin pour la cuisson de drogue, son pas jambes dans drogue, son pas aucun indice ou des preuves. Qui sont fait? Qui relation avec drogue? Qui relation avec drogue? Dit les drogues, vendre drogue, serrer drogue. Parce que ça, on va. Ça, bon, faut répondre ni. Parce que si on joue. Oui, oui. Tu bagailles et Assad. Ou comme tout le monde qui est dans la drogue dans le pays, tout le monde connaît. Et bon, surtout dans la région, côté. Bon, moi, je ne connais pas tout. Dans la région, non, tout le monde connaît le monde qui est dans la drogue. Surtout dans le petit milieu, au sud-est, comme ça. Bon, je vois n'importe qui monde à faire le tour du sud-est, des côtes de fer aux Ansapites. Des côtes de fer aux Ansapites. Je vois tout le monde à faire le tour du sud-est, puis on connaît si Lambert Jean est intermédiaire. Ou bien que Lambert Jean qu'on vient là vient parler de questions de drogue avec X, Y, Z. Et si bon monde, dans le niveau sud-est, qui connaît ça, il met 10 mètres, il met relé là sur la radio, il met tel, mais qui est, mais qui est intermédiaire. Mais, pas que ça ne ça pas exister, ça va exister. Ou pas qu'aucune relation, rapport avec drogue. Jamais. Et c'est ça que fait tout le monde sud-est, on dit genre révolté pour question. Donc, vous voulez dire blanc, c'est menti, gouvernement américain, canadien, à base sous. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce qu'on dit. Chef, écoutez, moi, je dis publiquement déjà, je vais déjà faire audit 24 sur 24. Et je ne vais pas dire qu'il y a, quand M. Shelson, qui était, il dit, et que Lambert, on va le côté drogue pour lui, par exemple. Il était encore, il dit, Lambert, mon bâtiment drogue qui tombait couteau, et c'est pour lui dire. Et qui est encore qui te bat moins élément, le papa m'a mouru dans le bas, qui est-ce qui te encore élément suffisant pour me capable d'essayer de dédouaner tête à travers la presse et autres, etc. En 2008, c'est encore. Bon, c'est fabuleux. C'est encore du personnel replacé dans l'ambassade américaine qui te dit mais voilà ce que je vous donne pour assurer votre défense. Donc là, on a parlé de bateau, drogue, de jeu, c'était pour quoi? Yo dit papa t'es mouru à cause de bagaza. Non, oui, ça fait papa mourir parce que qui dit, mais arrêtez Lambert là avec chaîne dans pied dans cou et autres, etc. Il est parti avec lui en baron hélicoptère à Miami avec lui. C'était en 2008. Et lorsque maintenant j'ai donné une conférence de presse, j'ai présenté les papiers, tout ça et autres, etc., j'ai vu encore devant moi le visage de Steven Benoît en pleurs et tout en salle en pleurs. Et qui dit, bon, il y a des gens qui ont même dit, c'est ministre. Et justice là, à l'époque, qui était baillé aux informations, un député. Et puis là, nous arrivons nous convoquer CSPN, le ministre de justice a dit, il faut que j'aime député ça avec j'ai sur la tête depuis environ 6 mois. Vous pensez que c'est pas qu'à ça qu'a suivi, Lambert? Bagay bateau, drogue ça? Bon, ma petite bagay. Ou pas tant de Shelson dernièrement? Shelson qui était accusé, non, qui fait 10 ans en prison. Ou pas, c'est même Shelson ça qui dit. Et que pas de jambes de question ça, lui l'im en privé pour l'excuser de tort que le femme, lui les tout en public pour lui excuser, sénateur Lambert avec toute famille pour tort que le femme. Et c'est même chez Sonsa qui dit pendant qu'il est en prison, quoi des bouquets, il prenait, et pas moi qui dis, c'est chez Sonsa qui dit, il prenait, menait dans l'ambassade américaine, il fait 10 jours en dans chambre, et en dans espace, puis a dit, dit que Lambert est en drogue et que n'a pas eu visa, n'a pas ceci, n'a pas cela, dit ça seulement et puis n'a pas bon, forme. Mon cher son nom, cher son nom, pas pour le sérieux du tout lui-même, parce que monsieur, chaque fois que il dit le contraire, c'est un type que moi-même, je prends très au sérieux, forme d'osa, parce que je comprends que ou grand monde, ou petit monde petit, et puis pour faire toute qualité de gaza, après ça, le matin pour Abdou, ou regrette, c'est pas tout même, c'est forcément, c'est forcément. Ça. Excusez-moi, ouais. C'est pas faute. Non. C'est etc. Mon cher, c'est pas sérieux. Alors, en tout état de cause, non, mais mon cher, pour moi, ça a son page tournée. Ok. Oui, je connais. Mais ça me donne besoin, André, parce que nous allons arriver sur notre bagaille. Donc, l'organe, qu'est-ce que ça sous dos? Drogue. Et des États-Unis, parce que, il dit États-Unis, papa accuse les gens pour drogue sans preuve. On pas crier nous bonjour matin. Qui possible de un bonjour matin ou tandis que blanc vient avec preuve et puis là avec Lambert? Est-ce qu'on 1% chance pour ça t'arriver que vienne avec preuve de drogue accusé là ou bien pas aucun moyen même?
Bon, mais m'a dit en toute sincérité, je plaiderai non coupable. Ouais, ah. Ils vont fournir les prix. Ah ouais. Ou pas même déjà avec Guy Philippe alors? Non, mon cher, je plaiderai non coupable et ils doivent fournir les preuves de accusation. Donc on va plaider non coupable si ça t'arrive aux États-Unis. Je le dis haut et fort, je plaiderai non coupable et ils doivent fournir les preuves de tout ça. Ça c'est un. Deuxièmement, je fais confiance aussi à la justice américaine d'une certaine forme. Parce que moi, ouais, qui ça, Donald Trump, comment c'est président des États-Unis a passé là, je ne veux dire. Moi, je vais essayer de comprendre ça qui est justice américaine. Mais je ne veux pas non plus défier la justice américaine et l'indépendance des juges. Mm-hmm. Ça, c'est un. Deuxièmement, on est venu là pour dire ceci, pour dire cela. C'est un élément solide dans mon mm-hmm. Un élément solide. Bah, je crois que si vous avez un bon élément solide dans mon monde, jusqu'en 2023, c'est Shelson. Il a demandé, dit ceci, dit cela, non mm-hmm. Chef. Donc, je vais gagner dans mon monde. Ouais, je vais gagner. Comme ça qui paraît paradoxal dans tout ça. Vous imaginez que mon ami écrit un papier et que moi gagne une connexion avec cartel colombien. Mm-hmm. Bon, très grave, oui. Je n'ai jamais visité la Colombie. Je n'ai jamais fait un appel dans toute ma vie de n'importe côté mieux vers la Colombie. Et je n'ai jamais reçu toute ma vie d'appel venant de la Colombie. Alors, on déduit ça, me dit pas là. Il y a tout état de cause. Donc, pas de moyen pour nègre venir là devant, venir prouver qu'on a droit. Qu'est-ce qu'on dit? Non, jamais. Aucun moyen. Ok. Pas qu'à faire, yo, dit nègre, qu'on vient avec tes vidéos, yo, qu'on vient avec comme si. Transfert d'argent, je vais venir avec. Pas les moyens. Bon, là, bagarre dans le gouvernement américain, oui, là, parce que là, tout le monde a tant de dollars, M. vous ambassadeur a tant de dollars, ou dit pas qu'il y a un pourcentage de chance pour que preuve qu'on a droit. Qu'est-ce qu'on dit là? Oui, ça me dit. Et, vous tournez, et vous faites comme Bakou hier. Vous connaissez qui ça, Jean-Moun a été dit, mon frère. Jean-Mona a dit, on forme ta faire émission ensemble avec lui. Jean-Mona a abordé des questions ça. Et puis Jean-Mona avait dit, on connaît, si États-Unis qui est capable de vivre devant les Nations Unies pour lui justifier et convaincre le monde entier pour lui aller voter une résolution pour demander d'envahir l'Irak. Avec Saddam Hussein, mm-hmm. sous prétexte qu'il était gagné. Zab de destruction massive. Zab nucléaire. Mm-hmm. Saddam Hussein, sous prétexte qu'il était gagné. Zab nucléaire. Pas grand qu'un an que n'est pas ta café, ou même qui représentait un mouche sous don bœuf. Si on pense à ouvrir les fers, bon, c'est de la lâcheté pure. C'est de la lâcheté pure. Mais cependant, je ne pense pas avoir commis un crime. Ni avoir fait quelque chose de mauvais toute ma vie, autre que prendre position publique et de manière ferme pour ce que je crois être bon pour mon pays et éviter que nous tombions dans l'escalade. Que nous tombions là, je vous dis. Donc, ou même, c'est pour nous conclure, donc sanction prend là, il y a un rapport directement, selon ce qu'on dit, avec politique, puisque vous avez une velléité pour venir président, vous stoppez. C'est qu'on soit analysé. Ok, j'ai un pressentiment que vous avez insisté trop pour devenir président. Vous avez insisté trop, moi j'ai commencé le premier bail avec Pensanma. Ça n'a pas marché, j'ai tenté d'aller prêter serment encore, vous avez mis sous garde moi. Ensuite, j'ai essayé de mettre sur pied, de par ça que je crois, le ACT. J'ai vendu l'idée du ACT avec l'OCAG, organe de contrôle de l'action gouvernementale. Ça, c'est le fruit de mes réflexions.
OK, mais réflexion qui jusqu'à présent a fait route li, et encore une fois j'allais être président du ACT et on a dit trop, c'est trop et puis camper là dit tonton et puis Santiago. En tout cas, j'ai pris bonne conscience que je ne devais pas aller plus loin, ne pas insister. Maintenant, je veux continuer à aider mon pays pour retrouver le chemin de la paix, le chemin du développement, le chemin du progrès, et faire de telle sorte que, je ne vous dis, on ait cette mission internationale en appui à la police nationale et aux forces armées d'Haïti pour combattre les gangs et éviter toutes sortes d'ambitions démesurées dues par une certaine révolution de s'accaparer du pouvoir, et ceci avec l'appui des gangs. Et je suis partisan que Jounen Jodia, eh bien, pour m'appuyer au conseil présidentiel et permettre qu'il y arrive à faire réforme constitutionnelle là, et comme cela se doit, et aller aux élections pour que PIA connaît, on retourne à la normalité institutionnelle. Et c'est ça que fait hier. Et c'est ça que fait hier, on était présent. Et c'est ça que me dit, c'est comme bac politique là. Après toute accusation sérieuse, gros dossier ça qui sous dos. On va connivé dans sa crivé hier, non. Nous allons sous le conseil présidentiel là. Et est-ce qu'on souhaitait, vraiment pour finir net, que bagage ça clarifié, dossier ça clarifié? Est-ce qu'on démarche pour faire pour clarifier la question ça qui sous dos là? Bon, écoutez. Vous songez, comme pour exemple, vous songez à l'États-Unis? C'est ça qui est passé vous-même personnellement. Bon, qui ça on a besoin de clarifier ou bien ceci, à cela. Bon, c'est deux bagages différents. C'est deux bagages différents. C'est deux bagages différents. Moi-même, dans les États-Unis. Oui, c'est deux bagages différents. Ça me dit, c'est pas moi qui ai son sous-dôme. C'est que l'immigration, vous voulez m'avec quoi, vous faites me tourner. Mais on parle d'une accusation sous dos, est-ce qu'on bagarre au café? Écoutez bien, Assad. Je prends des cas différents et distincts. C'est pour montrer que un pays souverain et autonome est libre de faire salver salpipito et dit salver salpipito. Aujourd'hui, le président Biden est sanctionné par Poutine. Poutine est sanctionné par Biden. Justin Trudeau est sanctionné aussi. Comme nous sommes un petit pays, Maduro est sanctionné par les États-Unis. Il y a de cela quelques temps, il a levé sanction. Quand il y a là encore un problème, il a remetté sanction. Avec qui ça? Avec qui que, il a dit. Donc, où espère ce matin qu'après tu es un bon jour, qu'après mourir pour contre lui? Moi-même, vous m'avez dit. Est-ce qu'on est de bail sanction ou bien est-ce qu'on est pas de bail sanction? Moi, si je suis un gros pays, tout, il y a des gens là, je veux dire, à travers le monde, que je suis sanctionné tout. C'est la guerre des sanctions. C'est la guerre des sanctions, je veux dire, qui a fait le. Au lieu que pour moi, je vienne bombarder ou bien pour faire assassinat et physique sur vous, je préfère bon sanction plutôt pour immobiliser. C'est peut-être un nouveau modèle. Politique qui ou bien de nouvelles stratégies politiques que certains pays a conduit pour essayer de contenir et prendre contrôle en ensemble de pays ou peut-être qui sait Haïti capable de bailler là je ne veux dire il a expérimenté qu'à Haïti pour qui j'ai peut-être capable de répliquer dans l'autre pays qui emmerde des coyaux ou bien qui gêne peut-être que avancer. Nous faire recul là, peut-être qui ça, parce que il y a un peu de monde qui n'est pas trop clair, qui peut comprendre le sens des sanctions, qui peut comprendre l'objectif des sanctions, et qui, jusqu'à présent, pas jamais inscrit réflexion et réflexion dans une dynamique géopolitique et une dynamique d'intérêt dérangé. Lorsque nous avons affaire à des pays comme quel pays
qui adoptait un régime de sanctions contre un tierce, ou bien contre un groupe de monde, ou bien contre une compagnie, c'est parce que l'intérêt, ou bien objectif que a poursuivre en dans démarche que a initiée, ou constituer un handicap. Mm-hmm. La réalité, c'est quoi? Donc là, on va parler, on dit que sanction qui prend compte, puisque avant que tu as parlé, nous capables ou interpréter comme quoi, ou déranger certains intérêts étrangers, intérêts nationaux, qui ça y est, dans la période que tu prends sanction contre toi. Écoute, moi, pour parler, Joseph Lambert, après l'assassinat du président, eh bien, tu es perçu en tant que président du Sénat, malgré notre réduit à 10 sénateurs, mais la Constitution a été dit la formule qui peut permettre que vacances soient comblées. Et formule là, c'était qui ça? Il faut l'Assemblée nationale, qui dit même après élu un nouveau président. C'est président Sénat, pourtant. L'a élu un nouveau président. Mm-hmm. Et non pas assez récent, l'Assemblée nationale était réunie avec le vide créé, après le vide créé par le départ de Martelly. Eh bien, il était fait, il y a des gens qui devaient faire dépôt de candidature par devant le bureau de l'Assemblée nationale. Et vous avez gagné des gens qui n'étaient pas de sénateurs à l'époque, qui étaient choisis pour te porter au candidat. Et nous avions vu, c'est le président en exercice du Sénat à l'époque, le président Justin Brivert, et l'ancien sénateur président du Sénat aussi, à un certain moment, M. Edgar Leblanc. Les deux déportés au candidat et l'Assemblée nationale a tranché en faveur du sénateur Justin Brivert, alors président du Sénat, qui a dû démissionner de son poste de président, ce qui était tout à fait régulier. Mm-hmm. Alors, mais à l'époque, l'Assemblée nationale était fonctionnelle. Mm-hmm. La Chambre des députés était là et le Sénat était là. Maintenant, qu'après si ça, après l'assassinat du président Jovenel, pas de l'Assemblée nationale. Ou t'es président tiré Sénat. C'est un tiré-taille. 10 sénateurs. Mm-hmm. Oui, 10 sénateurs seulement étaient. Mm-hmm. Là, 10 sénateurs étaient. 10 sénateurs, ça y est, ils n'ont pas une autorité suffisante pour se substituer à l'Assemblée nationale, côté pas une chambre de députés et manquer 2 tiers sénat. Mm-hmm. D'où il aurait fallu un consensus politique large qui t'a conduit nous a créé le PEN, et PEN, ça, c'était un regroupement de partis politiques, de monde dans la société civile, de l'autre acteur dans le secteur privé, etc., pour proposer une formule bicéphale avec le président du Sénat qui a bénéficié de l'aval de la majorité des sénateurs, un total de 8 ou 9 sur 10. En parlant de Jean Lambert. Exactement. Et puis, vous gagnez le premier ministre Ariel Henry, qui monsieur Ariel Henry à l'époque, qui lui-même a été déjà retenu et approuvé comme premier ministre par le président avant son assassinat. Et puis, c'était cette formule bicéphale. Et comme vous dites tout à l'heure, cette formule a été. Et longuement certainement analysé par plus d'un, et c'était une formule qui était pour permettre que pas y a qu'un palais en pile qui fait dans l'opinion, qui était capable de permettre que au moins nous gérions crise post-assassinat avec plus facilité et avec en tête de constitutionnalité, de légitimité, et qui peut faciliter la transition. Transition. On a les rapides parce que nous on est en coup de nous. Donc Ariel automatiquement, Ariel met au sous-côté, Ariel prend pouvoir. Exact.
Ariel a fait cavalier seul et sans doute, et sans nul doute, on va peser sur lui aider. Avec la complicité, avec la complicité de l'international. Je mets tout sous côté. Avec la complicité. Je mettais sous côté. C'était un premier signal. Mais yo, nan bagay sa Lambert, nan bagay sa Lambert, yo di m blante lo personnellement pou di ou retire kon nan bagay sa. Yo pa vlo comme président, est-ce que c'est vrai? Monsieur, yo pa di m carrément, yo pa vle m comme président. J'ai reçu un appel, en tant que politique, je me dois de certaines discrétions. Absolument. Mais gen yon moun important ki te rele m nan niveau international la. Et qui t'a dit moi, et que éviter, écoutez, nous-mêmes, bon côté pas nous, dans le niveau États-Unis, hein, et dans le niveau département d'État américain, hein, nous avons des réflexions que nous avons fait, nous estimons qu'il faut gagner plus de consensus, et que nous t'a évité, nous t'a content qu'on évite de prendre route pas l'air. Wow. C'était une manière élégante pour te dire que on va la donner. Pas fait ça. Ou pas la dame. Donc blanc mettons dehors. Et blanc pas vrai ça. Donc c'est blanc qui mettons dehors, c'est pas Ariel. Non, en fait, Ariel était complice de ça. Pourquoi? Parce que Ariel a participé, oui, dans la rédaction du PEN, de accord PEN. Il participait la donne. Nous faisons discussion la donne. Il changeait des phrases, des bagailles comme ça la donne. Étant donné que Ariel fait sortir, je ne veux dire, de pouvoir. M'patare men vle fè un débat. Donc, son ti rappel historique n'a fè pou nou vini sou sanction yo. Ou di, te gen des intérêts ki fò pou sanction. Oui, justement, pourquoi? Le fait par yo même de pas vle. Yo bon premier signal ça. Mwen tante a l'installe. Mwen tante vle a l'installe tèt mwen toujou. N'a pale. Parce que, mwen tante a l'installe tèt mwen n'a pale. Yo, an pil kout zam ouvè sou mwen sous en bas, et plus particulièrement la bande à barbecue et autres, etc. Il y a ouvert coup de zame sur Palman. Je n'ai pas besoin qu'on ait origine moto de là, et ni qui côté le sorti, ni qui côté le pas sorti, mais ça a l'air suspect. Bon, il a dit ça à Yel qui t'a voué, il a dit ça à Yel qui t'a fait. C'est équipe gouvernement, t'a mis des gangs dans la rue pour empêcher de venir dans le palais. Même pas dit ça pour façon que pas prêter une parole. Non, c'est ça que tu dis à l'époque. C'est ça que tu dis à l'époque. Ça paraît, oui, ben, ça paraît suspect. À quel niveau ou bien à quel autre niveau, point d'interrogation. Mais je ne suis pas quand même un enfant de cœur. Donc, n'est-ce pas stoppé ou pas arrivé dans le palais, l'on persiste qu'on y a, il passe à l'autre vitesse, c'est ce que vous voulez dire? Non, au contraire, on va aller plus loin. En plus de ça, croyant dans cette formule d'exécutif bicéphale, j'ai personnellement travaillé avec certains experts proches de PINU pour nous être capables d'arriver à une deuxième formule. La formule consisterait, et ceci Ariel était en poste, la formule consisterait à mettre en place ce que je pourrais appeler le ACT, organe ACT dont Madame Maniga devine président. Mais le ACT, t'as gagné la donne, le président du Sénat, un juge, ou du moins le juge le plus ancien à la Cour de cassation, et quelqu'un de la société civile, qui serait probablement, qui allait être certainement Madame Maniga. Mais là encore, je devais rencontrer le Premier ministre Ariel le 30 octobre, il n'a pas rencontré moi. J'ai eu des discussions avec les ambassades sous question ça, qui était une formule correcte, appuyée par BINU. Et comme j'ai insisté, et la place, l'équipe à l'époque, PEN encore à l'œuvre, et PEN, nouvelle version, encore à l'œuvre, pour aller dans le sens C, pour nous continuer à mettre l'exécutif bicéphale ça en place, eh bien, le 3 novembre, au matin, le 2 novembre, j'ai appelé le Premier ministre Ariel pour dire qu'il est absent, hein, bah, ça. Il dit maintenant après-midi. Après-midi, j'ai appelé, il n'a pas répondu. Et le soir, 11h, il m'a dit, bon, donnez-moi demain jusqu'à midi. Demain, c'est toi. Le 3 à 8h21 du matin. J'ai retenu l'heure. Le 3 à 8h21, j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel. Ça, c'est l'histoire, on a fait là. D'un ambassadeur. Ah oui, d'un ambassadeur. Demandez-moi de partager live là. Dans mon livre.
OK? Et j'ai reçu un appel d'un ambassadeur qui me dit que j'appelle pour vous informer et que mon pays ainsi que les États-Unis nous sanctionnaient ou même avec sénateur Hughes. Ah, donc, Et c'est-à-dire que serrer les relots pour dire sanctionner? Ah pour bon? nous dire, nous sanctionner et que nous allons rendre public information à 11h, à 11h du matin. Donc là, on Et va que parler si le nous n'avons 3. pas. Le 3, l'autre qui a rendez-vous avec Ariel là? Oui, parce qu'il y a 4 rendez-vous ratés avec Ariel. Et le dernier rendez-vous, le 2 novembre, après fête des morts, il te dit que moi, la fête des morts, il faut que je m'aille secret ton maman, me peinturer, grave maman, me bagaille. Comme ça, c'est la tradition pour les gens en dehors. Moi, je suis quelqu'un d'en dehors. Et que moi, j'ai dit 1er novembre, Bakala, et le 2 novembre, on a pris rendez-vous. Un cadre très important de BINU, à l'époque, qui était à l'œuvre, pas besoin de citer Noni pour pas déranger personne de monde. Et que nous préparer le texte ensemble, texte accord ça. Et puis la signature était programmée pour le 2. Et le 2, rien pas fait, dès le soir à 11h. Et puis j'ai insisté pour atteindre le Premier ministre qui me dit, mon cher, donnez-moi demain jusqu'à midi. Le toit, Midi, le toit. on se réunit ensemble et on signe. Et puis le 3. Le 3 à 8h21 du matin. Eh bien, c'est un ambassadeur qui m'appelle pour m'annoncer la nouvelle. Quel Il dit, ambassadeur? écoutez, Quel ambassadeur? Si pas sous pas sous pas voulez faire une discrétion, peut-être? homme d'État, et pour ne pas antagoniser, continuer, je dis bien, à antagoniser, pas oublier que nous sommes sous sanction quand même, faut que moi éviter, faut que moi Vous ne pouvez pas éviter, augmenter sanction, parce yo? que... Bon, mais je n'ai pas emmerdé là. Donc, il a dit pas emmerdé. Des fois, emmerdé, les sanctions. Alors, Bon, m'obliger. obligé, obligé, on va choisir le mot à utiliser. Maintenant, ambassadeur Arello, à 8h du matin, pour annoncer yo, que ou même avec Yuri, nous sanctionner et nous parlerons du public. C'est ça. Je dis, l'ambassadeur est mot à mot. On lui dit, mon cher ami, c'est avec. Regret. Okay. Je m'en réveille pour m'informer que mon chef, au niveau de la chancellerie, réveille-moi pour informer, pour annoncer que moi-même, avec Yuri, sanctionné par pays Payoa, plus par un autre pays. Sans façon pour ne pas dire qui est Donc, c'est deux l'ambassadeur. pays, c'est deux pays, c'est États-Unis et Canada qui sanctionnent. C'est soit c'est États-Unis qui tirent l'eau, mais Canada qui tirent l'eau. Vous l'avez d'ailleurs. Ah, mais you know, là. Oui. Mais c'est pas d'ailleurs moi qui Oui. Est-ce qu'il connaît? Et que là, il me dit ça, et puis moi, il dit, oh, mais je ne comprends pas. Il dit, oui, au contraire, moi aussi, j'étais très étonné. Pourquoi il y a déjà une semaine, Yuri et vous travaillez avec nous sur le plan de sécurité, côté des importantes délégations qui étaient sorties dans un pays, ça, au Pékin, et ministre défense. Et ceci, et cela, et commandant l'armée, l'obé qui est venu, et nous t'es exposé au le plan de sécurité, et puis nous t'es exposé au tout, et nous t'es fait un écrit même, pour nous dire voilà ce qu'il faudrait peut-être faire pour essayer d'enrayer le phénomène d'insécurité, ça, le plus vite possible, et aller aux élections. Nous t'es présenté un document. Que bien apprécié, Yuri t'a présenté plan de sécurité à M. Obad Bravo pour lui et que vous dit va faire bon usage de lui. Et puis, c'est une semaine après, il y aurait les noms pour me dire ça. Et puis, je dis au contraire, j'ai appelé mon ministre des Affaires étrangères pour dire à mon ministre, je ne comprends pas parce que moi, personnellement, je ne vous ai pas communiqué d'informations négatives au sujet de M. Lambert et que vous trouvez que. Sanction pas convenu. Et puis il dit exécuter sanction, j'aime dire là, parce que nous nous arrangeons et nous sommes deux pays à nous arranger pour infliger cette sanction et ça fait partie d'une stratégie globale.